Monsieur Chenoz, qui est le président de la SOVEAM, est aussi adjoint au maire délégué au grand projet d'attractivité. Ça en dit long. Nous essayons de vous parler depuis maintenant plus d'un an. Vous avez organisé une première, ce que vous appelez une concertation, une espèce de enfumage pour faire croire à tout le monde que vous écoutez, alors que vos projets sont déjà dans les cartons depuis un moment. Et vous vous fichez pas mal de notre avis et de l'avis des habitants de ce quartier. Vous l'avez fait ailleurs, dans notre belle ville. Vous ne le ferez pas à la plaine. Je vous le garantis, nous vous le garantissons ici. On a fait le tour du quartier, on a demandé aux gens d'écrire sur des feuilles volantes ou sur des cahiers ou sur des pétitions, hein, de signer des pétitions pour exprimer l'inquiétude du quartier. Ce chantier met à mal la vie sociale et culturelle du quartier de la Plaine et de ses habitants. Je suis pour que soient entrepris des travaux de maintien des espaces déjà existants. Il y a ici déjà une vraie vie de quartier. Une mise en valeur des espaces verts et des espaces de jeu serait une importante avancée pour ce quartier. Valoriser ce qui existe déjà est plus positif que de tout changer. Je me présente, je suis déjà à Stalingrid secteur. Bien évidemment, c'est ouvert au public, il n'y a pas de souci, il y a une consultation. Par contre, vous comprenez bien que pour des raisons de sécurité générale, le contexte général fait que on ne peut pas faire entrer autant de personnes. Il y en a deux. Vous savez qu'on a d'urgence, il y a des choses comme ça quand même, des règles de sécurité actuellement. Vous savez qu'on est rentré déjà aujourd'hui ce matin dans les villes, il n'y a pas de rentrer avec certains. C'est vrai que c'est une obsession à l'exercice de citoyenneté quand même. Si on est rentré, écrire son registre, c'est une invitation. Et déjà, on va faire rentrer une délégation. Vous l'avez envie à venir donner notre avis et de vous empêcher de le faire. Après, quand ils sortent, vous pouvez les interroger. Non. Par exemple, une chose qu'on a dit, c'est que pendant ce dernier mois de concertation, l'information que Paola Vigano, l'architecte qui avait participé à dessiner ce projet, s'est retirée du projet, vous le savez, et elle s'est retirée bien avant que la mairie communique que c'était elle le projet choisi. Ils ont communiqué que c'était APS Vigano, 5 mois après que Vigano quitte le projet. Donc on continue à nous demander de venir ici à donner notre avis, mais on ne nous dit pas vraiment si les idées qu'on est en train de commenter sont encore valables, puisque si l'architecte s'est retiré, il devrait nous informer vraiment si le projet il est encore valable et si ça va continuer. Donc, en fait, vous ne savez pas du tout ce qui est en train de s'opérer comme décision aujourd'hui, c'est ça? On ne sait pas vraiment si par exemple l'idée des Vigano pourront être développées du moment qu'elle n'est plus dans le projet. Vous savez ce que c'est, quoi. C'est que de la pub, quoi. Donc c'est sûr que si une personne, et même les mots, c'est populaire, attractif, alors que bon, c'est l'inverse. Mais ils nous ont vraiment montré qu'il fallait se méfier. C'est eux qui ont fait toutes ces merdes qu'il y a en ville, je veux dire. C'est eux qui ont fait la rue de la République, c'est eux qui ont fait le cours des Stiendorf où il n'y a pas un arbre. Voilà quoi, c'est minéralisé, c'est pas du tout ce qu'on veut quoi. C'est pas du tout ça. C'est surtout pas enlever des arbres qui existent, qui sont grands, qui ont été mis. Non, c'est la mode. Ils ne demandent même pas aux habitants si ça leur convient. C'est question aussi d'un contrôle social d'une place. C'est empêcher des rassemblements qu'on a toujours eu. Dans le cahier des charges, ils parlent d'usage déviant. Bon, c'est de suite reconnu, et c'est ça qui est presque ironique. C'est reconnu dans la déviance qu'ils dénoncent. La déviance, c'est de quoi? C'est de faire des petits déjeuners le matin sur la place, d'utiliser la place, de créer des bancs pour communiquer. C'est là où il y a un problème. Donc c'est pas une question de mode, c'est une question de comment on contrôle l'espace social pour que finalement, souvent au nom des normes de sécurité et d'hygiène, finalement, ce soit aussi la police qui puisse mieux contrôler. Tout simplement, on contrôle les mouvements. Et ça fait partie de l'histoire de l'urbanisme depuis longtemps. C'est pas du tout fait en concertation avec les habitants, parce que ça les arrange pas du tout ce qu'on fait dans cette place. C'est un des seuls quartiers qui reste où on peut se réunir à toute heure. Yeah.
les yeux.